Les pontons 3 et 4 sont ceux d'ordinaire réservés aux visiteurs. Le port de plaisance de La Rochelle compte 450 places pour les escales, comme celle de ce navire anglais. Number 2, place 4. Yeah, really? Okay. You want to follow me? I can show you the place. Combien de temps vous restez ici? Nous restons 3 jours ici et nous repartons voyager. Aujourd'hui, ça déborde un peu. Presque 500 bateaux, comme celui de Claire, sont en stationnement pour quelques jours. Les clients qui restent plus d'une semaine, on les met la plupart du temps sur des places d'annuelles parties en croisière. Ce qui nous permet de faire un roulement avec les places visiteurs qu'on voit derrière moi. Ce sont plutôt pour les gens qui sont là 1, 2 jours, 3 jours et qui voguent de port en port. 17 000 nuitées par an et ça s'accélère. Alors, à la capitainerie, forcément, ça se bouscule pour s'enregistrer. Dans son bureau, le responsable du placement dans les différents bassins se frotte la tête pour trouver des solutions. Pour nous, on est déjà dans la saison. On est juste déjà dans une capacité qui est en effet en limite, mais on peut toujours accueillir. On accueille tous les bateaux, toutes les dimensions. Il y aura peut-être un moment où il faudra rentrer dans les bassins. Il n'y aura plus le choix. Il faudra profiter du centre-ville d'un côté, mais aussi avoir les contraintes des portes, des ponts et des écluses. Ce type de situation se répète depuis le déconfinement. Beaucoup de plaisanciers profitent des beaux jours à partir du printemps. Et à cela s'ajoute un autre effet de la crise sanitaire. On a beaucoup de bateaux de chantier qui sont en livraison. C'est surtout qu'ils sont en attente de cargo. Compte tenu de la crise sanitaire, en fait, il y a de moins en moins de cargos réservés aux bateaux de plaisance, qui sont plutôt réservés pour les céréaliers, les choses classiques de la vie. Et du coup, c'est un vrai problème pour nous parce qu'on a beaucoup, beaucoup d'attentes. Une centaine d'unités comme celle-ci, donc, qui est en stand-by et ça prend de la place. Le port de plaisance de La Rochelle est pourtant considéré comme l'un des plus grands d'Europe avec ses 5150 anneaux disponibles.